Ah bah non, ça c'est l'intro des petites crapules, on va se calmer direct. We might be young at heart, but we're still dreaming, eyes wide open. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour le 41ème épisode de Madventure. J'espère que vous avez la forme, que vous avez la patate, que vous avez la pêche, que vous avez tous les fruits, mangerbouger.fr, 5 fruits et légumes par jour. Important à retenir, étant donné que je suis très mal placé pour le dire. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour le 41ème épisode de Madventure. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais on va faire évidemment des choses plutôt intéressante et j'ai une grande annonce à vous dire, une grande surprise. En tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir. Je vais vous annoncer que on va pouvoir faire un petit, enfin pour un prochain épisode, et eh bien on y aura 3 abonnés sur la série, donc on sera 4 au total et je vais vous en parler dans cet épisode. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va prendre du sable, on va pas faire que ça évidemment. On va essayer de prendre déjà masse de sable pour pouvoir commencer entre guillemets la structure de verre. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment vous voulez que je la fasse. Est-ce que vous voulez que je la fasse via je sais pas, on va voir comment on fera. On va juste prendre du sable, on va déjà se contenter de prendre ça. Donc pour ça il faut des pelles évidemment, sinon ça va pas le faire. On a une pelle là, on va juste se faire d'autres pelles évidemment. Attends, j'ai plus de fer. Quoi? J'ai plus de fer. Donc quoi? J'ai plus de fer. Attends, j'ai dû me tromper. Obligé. Attends, on commence sur un fail? Attends. Ah. Non mais non, c'est 16 sphères. Mais what the fuck? Attends, bon déjà je prends les pelles, mais... je suis aveugle ou quoi? Y a plus de fer? Attendez, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, soit quand j'ai invité... J'avais pas capté. Oh, j'avais pas capté du tout. C'est la grosse merde les gars. Bon, je pourrais toujours en miner en off ou en vidéo, c'est pas spécialement important. Mais quand même, c'est un peu con. Attends, B1, tu t'assois. Bon, je sais pas, c'est très particulier. On se refait juste encore une dernière pelle et on va pouvoir, pardon, y aller. Et on va aussi faire pour cet épisode une salle à mob. Alors une salle à mob, comment? J'en ai aucune idée. Attends, tu sais quoi, on va faire venir... On va faire venir Empereur. Empereur, il va m'accompagner tout au long de cet épisode. Voilà, je le dis. Empereur, c'est l'acolyte de l'épisode. Donc, on va prendre du sable, je ne sais pas où. D'ailleurs, s'il y a moyen de se choper un petit CD via Creeper et Squelette, on va essayer de se le faire, n'est-ce pas? Genre là, par exemple, il y a un squelette, là, il y a un Creeper. Allez, challenge accepté. Attends, toi d'abord. Dégage. Non, j'ai tapé mon chien. Je suis très con. On en parle? Attends, il a looté du fer quand même. Attends, il se passe trop de trucs. Empereur, tu fais n'importe quoi. Empereur, tu vas mourir. Empereur, fais gaffe. Attends. Parce que là, ça part en couille. Empereur, tu fais n'importe quoi. Attends, tiens, je te... Mais attends, ça part en couille. En fait, j'ai peur de taper Empereur. Empereur, assis! Voilà. Assis! Mais il est con. Bon, Empereur, voilà, assis. Tu restes assis. Toi, je te tue. On va oublier le coup des... Oh, dommage. Putain, c'était tentable. Attends, là-bas, il y a un autre squelette. Attends. J'ai envie de tenter un CD, là. Là, j'ai envie de tenter un CD. Parce que qui ne tente rien n'a rien. Alors, attends, tu vois, genre, toi, je te donne un coup. Allez. Regarde. Oh, mais quel mongo... Ah non, c'est bon. Attends. Vas-y. Vas-y, tire. Ah, alors, on a rien looté? Attends, ok, ça part en steak total. Par contre, Empereur, cette fois-ci, il se lève plus. Hein, il dit plus rien, hein, il a fermé sa bouche. Hein. Bon, hop, toi, je te lève. Let's go. Attends, Creeper, viens. Creeper, viens. Squelette. Viens. J'ai vraiment envie de tenter. Non, assis! Ne l'attaque pas! Voilà. Attends, par contre, le squelette a peur de moi actuellement. Voilà, je n'ai jamais vu ça. Ah bah d'un seul... D'accord, bah il a peur de moi. Bon allez viens, on va chercher du sable. Bah on va en prendre là du sable, tu sais quoi. Hop, toi tu es mort. On va prendre du sable et je vais pouvoir donc vous parler de quelques petites choses, notamment de mes projets et de mes petites surprises, notamment des objectifs à faire dans la série.
Alors, tu sais quoi, toi, tu vas pas me faire chier, voilà. Tu vas t'asseoir là. Et on est parti. Alors, oui. Alors déjà, attendez, premièrement, un petit truc à dire. Un petit truc, on va dire un truc. Vous le savez sans doute, hein. Je fais un truc sur mon site qui s'appelle le Madventurier d'épisode. J'en avais déjà parlé, donc dans le dernier épisode, que j'étais déçu, nanana, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de participation. Je vais pas de nouveau réexpliquer le principe. Voilà, je l'ai expliqué dans le dernier épisode. Mais je ne sais pas si je vais continuer finalement. Voilà, parce que mine de rien, il n'y a pas beaucoup de personnes qui participent et au final, c'est vachement chiant et c'est super contraignant. Parce que Madventure, c'est une série que je tourne quand j'en ai envie. Vraiment quand j'en ai envie. Je me sens pas forcé à la tourner. Et du coup ça me fait chier de devoir prévoir sur mon site, faire une newsletter pour prévenir que voilà, enfin tu vois ce que je veux dire, un petit peu la contrainte que ça fait. Ouais, je te tutoie parce que voilà, mais tu vois un peu la contrainte que ça fait. C'est super chiant. Parce que du coup ça veut dire bon bah voilà, demain je vais tourner le Madventurier d'épisode. Je bégaye, on s'en fout. Donc c'est super contraignant et ça me plaît pas du tout. Mais alors pas du tout du tout. Donc finalement peut-être que je vais arrêter. Voilà, j'avais mis en place ce petit système qui était sympa, voilà. Enfin je trouvais ça sympa en tout cas, mais peut-être que vous trouvez ça sympa aussi, mais malheureusement bah ça ne on le fera pas quoi. Le zombie actuellement est bloqué dans un courant d'eau, c'est assez amusant à voir. Donc voilà, donc je pense que je vais l'arrêter. Puisque vraiment, Madventure, c'est quand même une série que j'ai envie de tourner quand j'en ai envie. Quand l'envie me prend. Donc voilà, j'ai pas envie de me dire demain, faut que je tourne ça. Tu vois. Voilà. Sinon, une surprise, donc, qui n'est plus une surprise, hein, puisque maintenant je l'ai dit et vous le savez du coup. Je vais faire dès maintenant un petit, entre guillemets, concours. Qui vous permettra de participer à un épisode de Madventure comme je l'avais fait précédemment. Alors j'avais dit que je le ferai rarement, que je le ferai pas tout le temps, que je le ferai pas dans les prochains épisodes tout de suite. Et bah pourtant si, voilà, j'avais envie de le faire pour vous remercier, voilà, pour vous remercier. On a passé les 14 000 abonnés, voilà. Ça monte de plus en plus vite, c'est juste génial. Et puis comme bah, vous êtes nombreux un petit peu à suivre la série, enfin en tout cas j'espère que vous êtes toujours aussi nombreux, bah voilà, je me suis dit hop, on va remettre ça en place, c'est pas compliqué. Alors je suis bien conscient, que 3 personnes, les faire réunir au même moment, c'est mission impossible. Du coup si jamais ça part vraiment en steak, que c'est impossible, au bout d'un moment on fera à part. Mais genre les 3 gagnants, donc les 3 personnes qui participeront quoi qu'il arrive, tu vois. Même si c'est pas en même temps. Mais je vais tout faire pour que ce soit en même temps, ça peut être vraiment marrant. Comme ça on se fera des petits objectifs, notamment parce que il y a un abonné qui m'a proposé un petit défi, tu te reconnaîtras. Qui était, tu vas te calmer, ah bah d'accord il a explosé, qui était de faire un contre 1 avec un abonné avec le même stuff, tu vois, pour voir qui est bon en PVP etc. C'est une idée assez intéressante, on pourrait faire une arène et on fera ça dans les futurs épisodes ou peut-être en off. Ah c'est lui qui m'attaque, vas-y viens empereur, on le défonce, voilà. Merci, tu m'as pas du tout aidé. Donc voilà, pourquoi pas faire ça, notamment pour les prochains épisodes avec les abonnés, ça pourrait être sympa. Alors comment faire? Dans la description, dès maintenant je vous invite à y aller. Dans la description il y a un lien qui vous mène vers un formulaire Google et vous allez tout simplement devoir le remplir, il n'y a rien de plus simple. Vous allez devoir le remplir, donc votre nom, votre âge, votre Skype, si vous avez TeamSpeak. Par contre c'est juste impératif, vous devez avoir TeamSpeak pour pouvoir faire ça parce que bon quand on sera... Si on est 3, même à 2 je préfère TeamSpeak parce que la qualité est meilleure, ça bouffe moins de voilà, faut vraiment avoir TeamSpeak, c'est gratuit donc y a pas de problème de ce niveau là. Putain mais... Et Empereur, je... y a des fois mais je me dis... Est-ce que... Ah ça donne pas de nourriture, bon bah tu vas bientôt mourir Empereur je te le dis, c'est dommage. Enfin bref, on a combien de sable? Ah oui on a pas mal de sable, mais ça suffira pas du tout pour faire ce que j'avais prévu. Donc on va encore un petit peu en prendre. Et puis après on va pouvoir faire la salle à mob. Donc voilà, vous allez dans la description, vous remplissez le formulaire. Je ferai un tirage au sort, un vrai tirage au sort etc, pas avec des bouts de papier, je sais pas quoi là. On fera un petit tirage au sort sympathique. Et on verra qui pourra participer. Ah oui, puis vous devez aussi avoir au minimum 10 ans et être mature évidemment. Voilà, évidemment. Mais bon ça c'est logique. Voilà, bien que je ne suis pas forcément mature moi-même. Bon, sinon voilà, ça c'était au niveau du projet que j'avais en tête. Alors, ce sera peut-être pas forcément pour le prochain épisode. Je n'en sais pas vraiment, mais voilà. Participez dès maintenant. Il y a, de toute façon, vous cliquez sur le lien et vous voyez quand le concours sera terminé. Donc dès que le concours sera terminé, je procéderai au tirage au sort et je tiendrai au courant les gagnants. Et donc on verra comment on s'organisera évidemment.
ça se fera en temps et en heure. Donc peut-être que le prochain épisode sera toujours en solo, hein, donc il n'y a pas de problème, peut-être que ce sera dans plusieurs épisodes. Enfin dans quelques épisodes, enfin tu vois ce que je veux dire. Bref, allez encore là, et on sera bon. Voilà, je pense que ça suffit pour le moment, histoire de commencer un petit peu, pour voir comment c'est, mais je pense que ce sera la majorité en off qu'on fera tout ça. Donc empereur, tu me suis, parfait. On rentre un petit peu à la base, je lis de nouveau qu'est-ce que j'avais. Ah ouais! Alors juste un petit truc, j'avais envie de dire, voilà, c'est Omega 666 qui nous l'a dit dans l'épisode 39 de Madventure, si je dis pas de bêtises, on ne sait pas pourquoi il a dit ça, mais c'est le dicton du jour, voilà. Vive le porno quand on est dans le métro, voilà. C'était ce que j'avais envie de dire. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais j'avais envie de le signaler, parce que c'était bizarre. Voilà, donc je le signale, enfin pas le commentaire, hein, je signale pas le commentaire, hein, évidemment, je déconne. Je veux dire, je le signale en vidéo, voilà, je signale que Omega 666 vient d'inventer un dicton. Voilà, sinon, ah ouais, au niveau des objectifs, alors on a pas mal d'objectifs à faire, notamment, et on peut le faire maintenant, je crois, avoir 10 pommes, donc 10 golden apples, non enchant. Alors, il me semble qu'on peut le faire, je vais checker, alors, ah non, on a que 6... On a 6 Steve Jobs. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Alors attends, hop. Ah bon, bon on en a 5. On n'est pas encore au 10. Bah on est à la moitié, voilà. On a fait la moitié, c'est déjà ça. C'est parfait. On a un... Enfin non, l'objectif n'est pas validé. Je sais pas pourquoi du tout j'ai... La pomme, elle va là. Oh. J'aimerais ouvrir le... Merde. Oh le con. Oh, je suis débile. C'était qui? Attends, B1, Ace Lynx, Vava Games, c'est un abonné, Empereur, donc attends, ah si, casse pas les couilles. Donc B1, mais j'ai tué qui? Non, j'ai pas tué Dragon Alpha ou Toonfu. Dragon Alpha, Tour TV, Toonfu, 900, Nataille 60, mais j'ai tué qui? Pardon, j'ai éternué. Ah, bah j'ai dû tuer un des bébés, tu sais, qui a pas de nom. Bon, bref, on s'en fout, désolé. Donc voilà, 5 golden apple, là on a une enchante, très bien. Et on va pouvoir poser ça dans les blocs et on va pouvoir chauffer, enfin faire chauffer le sable. Ça va être le moment passionnant. D'ailleurs regardez ici, j'ai fait un coffre justement avec des seaux de lave. Donc ça me semble être une bonne idée. Comme ça c'est plus pratique, tac tac tac. On va refaire un petit aller-retour dans le nether pour reprendre de la lave, à savoir du combustible, pour pouvoir continuer de faire chauffer les fours. Franchement les seaux de lave c'est vraiment très pratique, hein. Je sais pas du tout si vous fonctionnez comme ça, mais c'est trop pratique. Sinon comme objectif, faire des bonhommes de neige. Bon, on n'a pas de neige il me semble, donc à voir. Mais on le fera, hein, y a pas de problème. Mais on fera une usine à neige, je pense. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait de la neige partout sur, sur mon terrain, vous voyez ce que je veux dire. Sinon comme autre objectif que je regarde un petit peu dans ma tête, j'ai une mémoire de poisson, farmer les CD, donc ça on va faire au fur et à mesure évidemment. Faire un jardin de fleurs et un jardin de cactus. Alors comme dit ça, on va pas vraiment, enfin on va pas exactement faire ça. On va faire donc, ok. Attends, je décoreco parce que j'ai toujours le même j'ai toujours le même problème, hein, comme au dernier épisode. C'est quand je vais dans le nether, vu que je suis sur serveur, et ben ça me fait laguer. Mais maintenant... Ah, ça lague encore un petit coup. Bon, je vais faire une ellipse, les amis, parce qu'il se passe des trucs bizarres. Ok, re les amis, c'est bon. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Voilà, donc je remets tout ça dans le coffre. Et ceci dans la nourriture. Attends, ça dans les blocs. Ça dans l'onglet divers. Bon, on s'en fout si c'est un peu mal trié aux F, quoi. Tac, ah je peux pas mettre l'alerte. Très bien. Ah bah non, mais ça va dans les blocs. Et la gunpowder ici. Parfait. Du coup, tac 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 tac. Ouais, faire un jardin. Ah, voilà. Donc si je veux faire un dôme, c'est pour qu'en fait tout ça finalement ce soit tout un peu notre espace de vie, notre jardin entre guillemets. Tout ça nous appartient. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, on met des fleurs un peu par-ci par-là. C'est comme si c'était finalement un jardin en lui-même. D'ailleurs, on va planter des fleurs directement. On va le faire tout de suite puisqu'on était censé déjà le faire depuis pas mal de temps, donc on va planter ça, 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 tout type de fleurs quoi. Tous les trucs jolis, tout ça. Tac, 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 ça. Canne à sucre, tiens. Vraiment, on va faire, c'est l'épisode, à la base je suis censé faire une salle à mob, hein, mais bon l'épisode est un peu plus long que d'habitude. Enfin, plus long que prévu. J'espère que ça ne vous dérange pas. Déjà on va mettre une fleur ici. Et une fleur là. Déjà premièrement je pense que c'est une bonne idée. Par contre faudrait qu'il y ait tout type de fleurs dans mon inventaire, parce que sinon ça va pas le faire. Attends, regarde déjà là.
tac. Tac. Voilà, on va planter. Oula. Ah si. Ça fait un style ici. Voilà, on va planter des fleurs. C'est ma passion. Allez, on met des fleurs par-ci par-là aux Zef. À la limite, avec de la bonne mille, il y a moyen de faire aussi. Mais après, ça fait presque que de l'herbe, donc c'est chiant. Donc on y va comme ça manuellement. C'est un peu nul en fait. Je pensais que ça allait être épique, que ça allait être super joli. Mais là, ça sent la merde. Ça, c'est... Je pensais que ça allait être super cool, mais au final, c'est bizarre. Enfin non, c'est pas forcément bizarre, mais c'est un peu chiant. Hop. Encore ça et ça. Voilà, on en met un peu partout. En sachant que je pense que le dôme de verre, on va le délimiter genre jusque là à peu près. Ouais, ici le dôme de verre sera terminé. D'ailleurs, pour ceux qui ont reconnu l'intro de Madventure, c'est juste ici. Voilà, je me suis mis là en F5 pour l'intro de Madventure. Et donc voilà, voilà. Attends, ici est-ce que j'ai... Attends. Tac, 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 tac. Ah oui, il y a encore la canne à sucre à planter. Est-ce que j'ai... avancer quelque chose, je ne sais plus. Attendez, je vais juste checker. Donc là, il manque encore la chainmail. Oh putain, c'est chiant, faut aller là-bas. Ah, j'ai mal fait mon truc. Et donc, ouais, non, j'ai pas avancé. Je pensais que j'avais avancé en off. D'ailleurs, pour ce qui est de la salle sous-marine, j'ai pas avancé en off non plus. En fait, ça me broute un petit peu, mais je vais le faire, hein, vous inquiétez pas. Il y a aucun problème de ce niveau-là, je vais le faire, mais ça me broute un peu, je vous avoue. On va faire notre salle à mob. Comme dit, on va pas faire ça avec de la redstone. On va faire une vieille salle à mob. Pour pouvoir buter des animaux, c'est surtout ça. des mobs, quoi. Donc voilà. Sinon, comme objectif, il y avait aussi faire une piscine avec plongeoir. Donc, oui. Pourquoi pas faire ça. Après, j'ai envie de dire non. Je sais pas. Entre guillemets, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Parce que, par exemple, là, si on monte tout en haut de notre magnifique demeure, genre là. Ici. Si on monte tout en haut. D'ailleurs, on a nos plantations. Et ben, en soi, on peut sauter dans l'eau aussi, là. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Tu vois, genre là, wouhou! Ça y est, on a déjà notre piscine avec plongeoir. Bon, enfin bref. Faire donc une salle sous-marine. 1v1 avec un acolyte ou un abonné avec le même stuff. Donc ça, on le fera avec des abonnés, avec des acolytes, etc. Quoique, j'ai 25 niveaux, donc on va voir comment on va s'organiser. Avoir toutes les armes en bois jusqu'en diams. Donc ça, c'est la salle que j'ai commencé à faire. Construire un dôme de verre autour de notre camp, faire une salle à monstres pour gagner des niveaux. Donc c'est un abonné qui m'avait proposé, donc on va faire ça. Et on n'a pas planté la canne à sucre, évidemment, je suis intelligent, c'est pas grave. Faire une salle bassin pour pêcher du poisson. Donc ça, en fait, ce qu'on va faire, et ça me semble être une bonne idée, on va faire une... Donc là, on a le nether, vous êtes d'accord? On a notre beau et magnifique nether. Et ben, par exemple, pour que ça serve à quelque chose, là, attendez, regardez, on prend notre petit chemin. Voilà, comme ça, ça servira à quelque chose. Et ici, eh ben, on va faire un petit escalier. Enfin, un petit truc qui descend. Tu vois? Ah ouais, mais... Ah, je suis bête. Ah ouais, merde, je suis con. Bah, du coup... En fait, faut qu'on fasse un truc pour que là-haut... Pour que là-haut, ce soit utile. Alors, attends, on va reposer là, du coup. Non, mais du coup, je pense qu'on va... regarder. Genre, on avance comme ça. Ah, merde, ouais. Ah, c'est bête. Bah, sinon, on y va comme ça. Ah merde, c'est tout aussi con. Bah sinon au pire on se la fait là. Ici on se fait une petite ah je sais pas, c'est nul. Ah j'étais tout optimiste et tout, mais pas du tout. Mais en tout cas on va, je pense qu'on va faire en sorte que ce soit que ce soit en souterrain. Tu vois, que ce soit un bassin souterrain. C'est pas stylé, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah bon, alors là. Genre là on descend là. Et on fait genre là si on casse. Ah non, c'est nul. Ah j'aime pas, parce que là je me sens pas en sécurité, tu vois. Non bah je sais pas. On verra. De toute façon on a le temps. On est déjà au 41ème épisode, hein. En tout cas ça passe vite cette série, c'est vrai. Mais on verra. Et encore un autre objectif qui est de faire une salle avec des plantes en verre. Mais en fait au final, bah comme dit, ça rejoint le fait qu'on fait un dôme autour de notre... de notre camp, de notre lieu d'habitation. Je viens de faire un bruit bizarre. Tac, voilà, donc ça c'est bon. Je range vite fait. Voilà, c'est là qu'on range tout ça. Et on est plutôt pas mal, on va faire notre salle à mob. Du coup pour ça on va prendre de la cobble essentiellement. On va faire des demi-slabs. Alors j'ai une petite technique que je faisais toujours en skyblock sur le serveur Fuluti. Petite promotion. C'était assez sympa. Alors où c'est qu'on va la faire? En même temps, en plein air, ça me donne pas trop envie. On pourrait...
Ah ouais, on pourrait rendre utile cette salle aussi. Mais j'ai pas envie de rendre moche tout ça. Ah, ça m'énerve. Ah, en fait, on a de la place, mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, est-ce que j'en ai parlé que je voulais faire un truc qui relie notre base à ce monument là-bas? Enfin, à ce monument, à nos salles. Je sais plus si j'en ai parlé, mais on fera ça aussi. Donc je le rajoute à mes objectifs à faire. Là, on était censé faire une poubelle. On l'a toujours pas faite. Normal. Je réfléchis vite où c'est qu'on pourrait faire notre salle à mob. Tac, 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 tac. Putain, c'est super stressant quand t'as prévu des trucs, tu vois. Mais pas en entier. Donc c'est un peu stressant. Bon, on pourrait finalement la faire... On pourrait la faire genre... En fait... En vrai, on pourrait la faire... ah là, je sais pas. Ici, mais en même temps, j'ai envie de faire un. Ici, j'ai envie de que ce soit relié. Tu vois, qu'on fasse un truc relié entre les deux. Donc, j'ai pas envie qu'il y ait une salle à mob entre nous deux et que ce soit à la merde. J'ai pas envie que ce soit dans la salle maritime non plus. Attends, il y a un squelette à quelque part. J'ai envie d'avoir un CD là pour cet épisode. Voilà! Ici, c'est la party. Ici, c'est la MCO party. Regarde. Regarde, ça va bien se passer là. Allez! CD, CD, CD. Attends, cassé, attends. Là, c'est la folie. Heureusement que j'ai un stuff de ouf. C'est quoi? Meloï. Oh là 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 là. Attends, y a pas un autre creeper encore? Attends. Toi, tu dégages, voilà. Toi. Attends, attends, le squelette. Viens, viens, viens. Viens, creeper. Viens, venez. On va tenter un deuxième CD parce que bon. Oh, 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 oh. Oh non. Oh, j'y ai cru. Non. Ah, j'y ai cru. Par contre, on est en train de rendre moche notre lieu d'habitation. C'est dommage. Il y a des trous partout. On se croirait sur la lune. C'est génial. Enfin, ouais, attends là-bas. Squelette creeper. Attention, c'est encore notre moment. Oh, je suis content là. Là, cet épisode, on avance. On avance. N'oubliez pas qu'on doit faire une salle de CD. Oh, 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 oh. Non, putain, fais chier. Vas-y, meurs. Meurs, meurs, meurs. Ah, oh, fais chier. Ah, il est pas mort. Attends, là il y a un autre creeper. Attends, s'il y a moyen de se tenter en vrai. Attends, 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 attends. Vas-y. Non. Oh, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Attends, par contre, je me fais un peu spammer. Tac, 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 tac. Et tac. Bon, c'est pas grave, on a un CD. On va l'écouter vite fait. Et en attendant, je réfléchis où c'est qu'on pourrait faire notre putain de salle à mob. Oula. Oulala. Ah, ouais, c'est vrai que tout. Ah, oh, merde, c'est vrai que tout est moche là. Ah, merde. Attends. Voilà. Et là, faudra couper ça aussi, putain. Eh, en vrai, on a fait de la merde, hein. Ok, là, c'est notre salle, ok. Bon, on va écouter la musique Meloï pour ceux qui connaissent. Moi, je connais pas. Enfin, en tout cas, ça me dit rien. Ça se trouve, ça va me. J'espère que c'est pas le même que. Non, il me semble que c'est Stahl qu'on a. En fait, avec toutes les séries, genre Crusoe et tout ça, j'arrive plus à. À savoir, le CD il est où? Il est là, c'est Blocks. Attendant, on va le mettre là. On va écouter. Oh non, c'est une musique un peu nulle. Donc faudra la mettre dans notre salle des CD. Je sais plus combien il y a de CD, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je sais plus s'il y avait déjà quelqu'un qui l'avait dit. Ah, faut peut-être appeler un abonné aussi, pourquoi pas. Bon, on va voir si on appelle un abonné ou pas. C'est vrai qu'on a un peu mis à l'abandon ce concept. Du coup, notre salle à mob. Notre salle à mob, bah écoutez les amis, j'arrive pas à me décider. On va. Attendez, c'est bon, je sais où on va la faire. On va la faire ici. Genre là, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. J'ai pas pris d'échelle sur moi, je suis un mongol. Bon, c'est pas grave, on va la faire là, notre salle à mob. On va faire un petit truc bien sympathique pour que les mobs puissent se spawner avec la petite musique d'ambiance. La musique est très bizarre. C'est particulier. Bon, encore une fois, on va pas faire ça automatisé. Je pense que vous allez peut-être me râler dessus. Mais moi, je reste un peu simpliste, entre guillemets. J'ai pas envie de faire un truc automatisé, redstoné, avec de l'eau, je sais pas quoi. Enfin, peut-être un système d'eau, pourquoi pas, mais... Ah, si, j'ai peut-être une idée. Ah, non, non, en fait, non. En fait, j'ai une technique, je sais pas si vous la connaissez, c'est quand il y a un spawner. Les faire emmener dans un courant d'eau pour qu'après ils crament et que leurs items aillent dans un hooper. Enfin, dans un, ouais, hooper, je crois. Mais là, le truc, c'est que si on met de l'eau, ils vont pas spawner, ça va être le bordel.
Donc non non, on va oublier ma technique. Non, on va vraiment. En fait, c'est très simpliste. Je mets des demi-dalles pour qu'on puisse se protéger, mais en gros voilà, je les tape à la main tout simplement. Mais enfin, je sais pas trop comment dire. C'est tout bidon, c'est juste une salle noire où je serais protégé et que je défoncerais tout le monde. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez, c'est tout bidon. Par contre, la musique est déjà arrêtée. Donc on nous a arnaqué, voilà. Très clairement. On nous a arnaqué. J'entends des zombies. Donc s'il y a une mine à côté, pourquoi pas? Moi je dis pas non. Surtout si... C'est vrai, attends, on a du diamant ou pas? Je sais plus. Ouais, il y en a une dizaine, je crois. Mais sinon... Ah, j'entends le portail. Ouais, il est juste au-dessus. Mais sinon, niveau fer, je sais pas du tout où est passé le fer. Là, ça craint de ouf. Attendez, ce que je vais faire, les amis, je vais me mettre en connecté sur Skype. Comme ça, je vais me faire spammer, peut-être. Ou peut-être pas, hein. En même temps, je tourne mes vidéos à des heures incroyables. Comme ça, si je me fais spammer, ben, on va pouvoir appeler. Donc voilà, donc du coup j'ai pris de la cobble, mais pourquoi finalement? Je ne sais pas. Là, faudrait une échelle. Donc techniquement, si là on met une échelle, ça veut dire que tout autour... Attends, ça veut dire que là tout autour... J'essaye de... C'est que là je suis censé être protégé. Enfin, attendez, j'essaye de voir un petit système là. Donc attends, là je fais un petit passage. Ah voilà. D'accord, donc on atterrit sur... Ouh, les amis. Attends, on tient un truc. Genre vraiment. On tient un bon truc. Genre là, regardez. Attendez. Ici, on met du verre et on verra... On verra l'eau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oh là 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 là. Je vois déjà tout. J'ai tout en tête en fait. Oh là là, j'ai tout en tête les gars. Ça va être trop bien. Genre ça va être vraiment trop bien. Bon, on verra ça plus tard. Par contre pour la salle à mob, du coup là ça va pas suffire, faut encore un peu augmenter. Ah ça y est, on m'écrit. Alors attention, Alexis du game qui m'écrit. Yo, on va l'appeler. On l'appelle Alexis du game, ça va être marrant. Ça faisait longtemps que j'ai pas refait d'appel, donc voilà. Allô. Allô Alexis du game, tu m'entends? Ah bah il a répondu mais... Attends, il est en train d'écrire, j'ai oublié mon micro, d'accord. Bah écoute, tu sais quoi, tu prends ton temps, vas-y, si tu veux mettre... si t'as un micro que tu veux le mettre, vas-y. Je vais vite fait t'expliquer ce qui t'arrive si tu veux. En gros, je sais pas si tu suis Madventure, mais en gros je suis en train de tourner l'épisode 41 de Madventure. Du coup voilà, bah t'as une petite dédicace. Ah, je crois que je t'entends. Ah, tu l'as pas, d'accord, j'ai cru que je t'ai entendu. Voilà, c'était dans ma tête en fait. Trop ému. Non, quand même pas. Bon, dommage, on t'entend pas, mais bon, voilà, le cœur y est. Et puis voilà, j'espère que tu suis la série, que t'as bien mes vidéos, etc. Ça fait plaisir. Et puis, bah écoute, je vais raccrocher. Voilà, ta petite dédicace, Alexis du Game. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, une autre fois. Oui, bah peut-être, on verra. Donc, bah merci à toi, ciao. Voilà, ça c'est fait. Et attention, on a aussi. Pourquoi on peut pas s'appeler? Attends, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Alors attends, je sais pas qui c'est. C'est bizarre. Je vais pas appeler cette personne, elle est bizarre. Attends, et je vous jure, je fais pas de la discrimination ou quoi, mais il y a une meuf, elle est bizarre. Enfin, c'est une image bizarre. Bon bref. En tout cas, voilà, on a appelé Alexis du game et puis voilà, je reste connecté encore pour pouvoir voir si d'autres personnes m'appellent ou pas, si c'est la tristesse ou pas. Est-ce que là c'est bon la salle à mob? Non, vraiment. Je fais une salle à mob super super grande parce que pour que les mobs puissent spawner un max et que ce soit bien au petit. Évidemment. Oh merde. C'est quoi ce bordel? Attendez, il y a un nether en dessous de nous. C'est pas possible. Attends, le nether il est au-dessus. Oh merde. Eh, j'enchaîne boulette sur boulette. Ah ouais, on est là. Oh c'est énorme. Eh c'est... Eh c'est... Waouh. Trop d'émotion mon gars. Eh, c'est... Tout est relié, tu vois, c'est... Bon, c'est logique un petit peu, mais... Ouais, en fait, c'est super logique, je suis débile. Et... D'accord, j'ai cru que je m'étais pas cassé la gueule. Bon, en tout cas, c'est super cool. Allez, on casse encore un coup, parce qu'après, on pourra plus, de toute façon, vous voyez bien. Et on se ra pas mal. Je vais juste faire une petite ellipse. Attendez, je vais juste faire une petite ellipse, parce que je me rends compte que j'ai un problème. Ok, ça c'est bon. Ouais, j'ai un problème. Attendez, je fais juste une ellipse, désolé. C'est... Ça s'appelle du direct, comme on dit. Je reviens. Alors là, si ça c'est pas du direct les gars. Bon bref, ça va là.
Ok, bon, ça franchement, c'est du direct. Hop, je remets mon casque. Enfin, on n'est pas vraiment direct, mais bon, vous m'avez compris. Est-ce que... Non, ma passe pam sur Skype, tout se passe bien. Bon, bah les amis, voilà, il s'est passé quelques petites choses, des petites... voilà, des petits moments d'émotion. Du coup, attends, on va peut-être éteindre. Alors, attendez, les gars, je suis essoufflé. C'est genre le... un petit conseil pour les youtubeurs. Ne jamais faire ça, voilà. ah ouais, par contre, du coup, là, il y a de la lumière. Ah oui, mais faudra mettre des portes. Bon, en tout cas, on verra ça si les mobs spawnent ou pas. Bah, en attendant, en fait, vu qu'il y a rien. Attends, il y a déjà des mobs qui spawnent là alors. Ah, attends, est-ce que ça marche? Bon, pour le moment, ça a pas l'air de spawn, mais comme dit, ça spawn pas. Enfin, normalement, c'est pas censé spawner directement. Bon, après, pourquoi pas faire un truc au petit? Vous pouvez toujours me dire en commentaire. Ça, on va dire que c'est une salle à mobs basique. Hein. Si vous avez une idée, si vous connaissez un tutoriel sur YouTube par exemple, eh bien n'hésitez pas à me dire en commentaire, à faire de la pub en commentaire pour d'autres vidéos. Il n'y a aucun problème de ce niveau là, voilà, si vous voulez que je fasse un truc en redstone, parce que finalement c'est un peu con. Mais si jamais, ça peut toujours être utile, voilà. Donc notre petite salle à mob, on va dire, est faite. Pas vraiment terminée, mais pas du tout optimisée même. Mais bon, ok, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire comme objectif? Alors encore une fois, je le rappelle, hein, le m'aventurier d'épisode, je pense que on va l'arrêter. En revanche, pour ce qui est donc du petit concours, hein, n'oubliez pas dans la description, mais je pense que vous avez déjà rempli le dans la description. C'est pas un concours de rapidité cette fois les amis, hein, c'est vraiment du tirage au sort. Voilà. Et évidemment, aucun favoritisme dans ce tirage au sort, hein. Ça je vous le dis, mais bon, je pense que vous me faites confiance à ce stade. En tout cas, j'espère que vous me faites confiance. Voilà, je suis pas, voilà quoi, vous avez compris. Ah, on m'écrit sur Skype, attention, on va vite faire garder d'abord dans les minerais. Attends, tac. Tu sais, ça fait un peu le mec sans amis. Ah bah, c'est Alexis du game, dédicace à Louis Master Game. Donc, je vais lui répondre, dédicace passée. Voilà, comme ça il comprendra. Voilà, donc c'est vraiment Madventure, hein, vous voyez, c'est vraiment une série à la détente. Et c'est assez étonnant, et c'est assez, c'est, en fait, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il met ok. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, en fait. Parce que, d'habitude, non mais genre vraiment, quand je suis en ne pas déranger, je vais pas dire que je me fais spam. Parce que, évidemment, je limite les... En fait, je bloque les spammers. Mais, enfin, on m'écrit quand même pas mal, n'est-ce pas? Et là, comme par hasard, je me mets connecté, là, par contre, y a personne. Mais bon. Comme dit, je tourne mes vidéos à des heures pas possibles. Donc voilà. Sharpness. Bah, je pense qu'on a tout fait, que tout est bon. On a deux disques. Enfin, on a deux CD. Je sais, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire combien de CD exactement il existe. Puisque le but c'est d'avoir tous les CD pour les mettre dans le monument des CD. Donc juste là-bas. Voilà. Tac, tac, tac. Du coup, attends. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas remis en ordre tout ça. J'ai pas du tout remis en ordre tout ça. Bon bref, c'est un peu le bordel ici, c'est pas trop grave. Ils font beaucoup de bruit, hein, les abonnés, vous faites beaucoup de bruit. Les chiens ne meurent pas de faim, il me semble. D'après ce que vous m'avez dit, si j'ai bien compris. Donc c'est plutôt pratique, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, je ne nourris plus mon chien, voilà. Non, sans déconner. Hop, on replante tout ça. Autant avoir un peu de nourriture. Tac, 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 tac. Et encore ici. Voilà, d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Twitter, voilà, c'est le petit moment où je fais ma petite promotion Twitter, c'est dans la description, twitter.com/mcolo5, ou alors vous tapez tout simplement dans la barre de recherche @mcolo5, donc @mcolo5. Je fais donc des concours chaque mois à propos de Gameoniac, et puis je parle de beaucoup de choses, voilà, des petites annonces. J'avais même annoncé donc sur Twitter à l'avance que je ferais un concours spécialement pour vous faire rentrer dans la série, enfin pour un épisode. On va s'en arrêter là pour cet épisode, je pense. N'hésitez pas à me donner des idées de défis à faire, hein, pour la série. Puisque, comme j'ai dit, cette série, en fait, c'est pas compliqué. Comme je l'ai déjà dit, je me mets en WF5. Tant que ma chaîne YouTube Mcolo, tant que ma chaîne YouTube n'est pas arrêtée, et j'espère évidemment la continuer le plus longtemps possible, et bien techniquement, c'est la promesse que je me garde, et bien cette série ne sera jamais terminée. C'est ce que j'avais envie de dire, sauf si, hein, sauf si du jour au lendemain, il se passe un truc, que Madventure, c'est devenu un truc bizarre, avec la 1.9, ça marche plus, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, Madventure, j'ai la voix qui est partie en couille, c'est une série qui se terminera jamais.
Et s'il le faut, si jamais il y a des problèmes, si jamais on va dire que ça se termine, eh bien il y aura toujours une saison 2. Mais à aucun moment Madventure, ou sous un autre nom, verra la fin de sa vie, sauf si évidemment ma chaîne se termine. Mais évidemment, c'est pas pour tout de suite, et j'espère rester un maximum longtemps sur YouTube. On n'est pas là pour parler de ça, les amis. On va s'arrêter là pour cet épisode, je vous donne rendez-vous pour de prochains. Si vous voulez me proposer d'ailleurs des défis et que vous voulez être sûr que je les regarde, n'hésitez pas sur mon site mcolo.gym2.com dans l'onglet sondage. Il y a un petit bouton qui vous permet de... un petit sondage à propos de Madventure, donc des idées de choses à faire. Mais vous pouvez me proposer vos objectifs en commentaire, puisque comme j'ai dit, 100% de vos commentaires sont lus et 80% de vos commentaires sont répondus. Donc dans tous les cas, que vous mettez un commentaire à la con, un commentaire utile, un commentaire n'importe quoi, même si vous spammez, il y a 100% de chance sur 100 que je lis votre message. Donc ne vous inquiétez pas, tous vos commentaires sont lus. Quoi qu'il arrive, voilà, rendez-vous pour de prochains épisodes. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui me fait extrêmement plaisir, ça m'encourage. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais j'arrive pas à vous séparer en fait. Je kiffe cette série, hein, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Bon, bah malheureusement, on va devoir se quitter. On entend la mélodie des chiens derrière qui nous regarde à travers les barreaux, c'est génial. Allez, au revoir. Allez, ciao tout le monde.